en conduite intérieure de 1988. Et c'est un modèle très intéressant pour le Valois. Surtout que celle-ci est la dernière sortie de nos usines de Levallois. 56, c'est une Citroën CX Cabriolet. Date de 1980 et a été donc proposée au Salon de Paris en 1984. Numéro 33 pour le jury, monsieur Lassalle, qui nous présente une GS Virotor de 1974. Soyez gentil, cherchez-vous un peu. Une SM coupée de porte, appartenant à monsieur Ruchot, président de l'amicale Citroën. Donc numéro 55 pour le jury. Bravo! 21 de 1968, un phare directionnel. Vous aurez l'occasion de voir un modèle un peu plus ancien, un phare fixe. Véhicule 51, c'est une Citroën DS 21 Prestige. C'est un véhicule également qui n'a jamais connu le sel des routes d'hiver. Donc DS 21 Prestige. Le véhicule suivant est le numéro 50. DS 19 Palace de 65. Présenté par Monsieur Poncet. Elle porte le numéro 50 pour le jury. Et qui mérite également son applaudissement. C'est une Citroën du type Anisys Berlin. Le premier propriétaire était le grand-père du monsieur qui vous présente ce véhicule. C'est le double pare-choc à l'avant. Les grilles d'aération sur les ailes qui étaient typiques au modèle des années 62. Donc, numéro 48 pour ce cabriolet DS 19. C'est madame qui est au volant. Elle est dotée de la suspension qui a équipé les DS. Mais elle est équipée de la pompe d'élite. Et voilà. Et vous pouvez également obtenir notre première femme chauffeur. De 1957. Ce modèle se fait extrêmement rare. Et vous pouvez remarquer l'élégance de madame. 153. En conduite intérieure. C'est donc un modèle tout à fait changeant par rapport à la 15H que vous avez pu voir tout à l'heure. Parmi les constructeurs du carrossier qui sont les c'est un modèle de 1949, donc vous pouvez voir déjà les petites modifications. Le véhicule suivant est le numéro 40. Ce véhicule offrait deux places supplémentaires dans le coq. Avec un système anti-vol et de garde unique. Et
le véhicule suivant, le prototype de chevaux qui vous est présenté, date donc de 1939. Le moteur, je vous le dis, a été remplacé sur le véhicule de série par un moteur de cylindre à plat au pas départ. Il nous est présenté par M. Tino et Mme Tinomer. Il nous apporte à cette manifestation trois véhicules. Type 7U, datant de 1936. Sa vitesse maximum était de 95 km/h. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cinéma. Ensuite arrive le numéro 32. Vous remarquerez les couleurs inhabituelles. Il s'agit donc d'un super taxi, un super cabriolet. La vitesse maximum de cette voiture est de 105 km/h. Sa puissance est de 15 chevaux. Cette voiture date de 1933. Sa carrosserie est familiale, 7 places. Le prix à l'époque, cette voiture était vendue 19 500 francs. Celle-ci est une berline usine. Sorti de Levallois et après 3 ans de restauration, ce véhicule roule de nouveau. C'est une version 10 chevaux. Elle paraît difficilement écartée. Donc première série des voitures sorties d'usine, un moteur flottant. Le véhicule suivant donc c'est le numéro 24 pour le jury. Elle était retrouvée entièrement en épave. 1932 pour cette conduite intérieure. La T6G apparaît au salon de 1931. Le Roadster CKG reçoit une finition grand luxe à l'image des véhicules américains. Frappe de côté pour équipement de golf et adopte une nouvelle innovation, le moteur flottant. Et on donc 2 places dans le speeder.
véhicule suivant est le numéro 21. Oui, je vous présente ce véhicule, est le doyen des collectionneurs de France, donc des usines Citroën. 77. L'autochimique qui a participé au grand raid de la troisième zone. Ce véhicule est dérivé de la C4F de série avec en plus réducteur en sortie de pont arrière. Georges Martin, 4 places, mais à custode, datant de 1931. Ce véhicule donc a une vitesse de 105 km/h. A l'époque, ce véhicule était vendu 35 500 francs. Également d'une haltepigne et d'un parterre. Énormément monsieur et madame Gaillard qui font énormément d'efforts dans les costumes et dans les présentations des véhicules. Le véhicule suivant. Le véhicule suivant est le numéro 7. Torpedo 3 places. On l'appelait à l'époque également le trèfle ou vulgairement le cuit-moule.
Il est demandé à une personne de chez Citroën de se placer devant le caddie pour le démarrer, s'il vous plaît, merci. Numéro 6 pour le jury, c'est une V2. Elle nous est présentée par monsieur et madame Casalei. Restaurée pour la peinture. Le respect de la tradition, puisque les couleurs, le total de la V12 et le fils de la V2. Le véhicule suivant. Et la caddie utilise un moteur de 1452 cm3. Le caddie a été la voiture préférée de Miss Ringuette. Sur base V2 Torpedo. Le véhicule date de 1923. C'est une version Torpedo, mais deux plaques. Et non pas trois plaques. Ça permet aux gens de voir les véhicules. Alors nous allons quand même, et je remercie donc encore une fois de la présence de son véhicule à cette manifestation. Il est doté d'une mécanique de 2442 cm3 qui amène ce véhicule à une vitesse de 105 km/h. Le prix à l'époque était de 37 000 francs. C'était bien sûr un... C'est le premier véhicule construit par André Citroën. Attention, reculez-vous, s'il vous plaît. Il pèse 810 kg. André Citroën proposait 6 carrosseries sur ce modèle à sa clientèle. Le temps la première automobile européenne fabriquée en grande série à Javel. Elle était livrée avec un démarreur électrique, un éclairage électrique et les roues de secours. Et ce dernier roue sont sorties des chaînes du bouquet de Javel. À côté, M. Barberousse qui a créé le stick. Le skipping de la Levalloisienne et Monsieur Jagot faisant partie de Citroën, faisant partie de la maison Citroën. Robert Jurin, président des Amis de l'Automobile de Levallois, qui a également participé à l'organisation de cette très grande manifestation. Cette voiture est donc une AX qui a reçu quelques aménagements tels ce toit ouvrant et surtout le stripping dessiné par M. Barberousse. Je suis très fière d'être la marraine de cette voiture et surtout qu'elle servira au service d'aide sociale de la ville pour transporter les personnes âgées qui en ont besoin, etc. Je suis très très fière aujourd'hui. Merci. En ce moment-là, un peu plus fort, le HS. Il fallait ça.
Et pilote de voiture. Qu'est-ce que vous avez gagné? Rallye de course, rallye Monte Carlo. Un rallye Monte Carlo. Vous avez des records du monde de quoi? Des records du monde à Montlhéry. Voilà. Sur 32 000 km à 140 de moyenne. Voilà, c'est bien. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Établissement Mortier, Milan Coiffure, monsieur et madame Nivet.